that stick to the shade. Not of this world, so we live on the run. We keep our eyes set, on what is to come. La journée d'hier, très bien pour une remise en jambe. On a été bien dans le coup de suite. Les spéciales étaient très très belles. Un petit tête à queue dans la 2, mais rien de grave. Ce matin, on balaye un peu plus. Dans la première, ça a été. Après, Jean-Marie a les bons pneus maintenant, donc il va plus vite. Et dans la deuxième spéciale, j'étais pas très à l'aise. Ça glissait beaucoup, mais on va essayer de rectifier le tir pour la prochaine. On va essayer de gagner, mais on doit avoir 20 secondes d'avance. Et bon, c'est une C4 WRC derrière. Hein. Et Jean-Marie Coq en plus dedans. Donc bon, ça va être compliqué, mais. Après, il y a Lionel Beau qui est toujours à une trentaine de secondes, ça va être difficile d'aller le chercher. Thank you.
Voilà, ça s'est passé un peu de... difficilement. On balayait au premier passage, on avait choisi, j'avais choisi volontairement des gommes dures, j'avais peur des crevaisons et on a eu du mal. Ouais. Bon, objectif, aujourd'hui on a mis des pneus soft et la voiture va bien, donc c'est de rouler, se faire plaisir, parce que c'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard hier, mais bon, les temps sont là, on a fait une belle première boucle, on s'est vraiment fait plaisir, la voiture va bien, on a un bon feeling avec. Voilà, on va continuer comme ça le deuxième tour et puis on verra bien. Hier, très bien, puisque on a réalisé les pratiquement tous les temps scratch, à part une seule spéciale, 5 temps scratch sur 6 épreuves. Donc, et on avait creusé l'écart, un écart assez conséquent sur Jean-Marie Coq, avec plus d'une minute 50 d'avance. Donc, c'est bien passé, on était bien avec la voiture, on était à l'aise, les pneus ont très bien fonctionné. Donc, hier, on était vraiment satisfait de notre journée. Ben aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a, ce matin, on a eu un gros problème hydraulique sur la voiture. Et donc, du coup, on n'a plus de procédure pour démarrer, on n'a plus d'embrayage. Donc, c'est compliqué parce que sur chaque départ de spécial, je cale et on a perdu donc beaucoup de temps. Donc, pour l'instant, on va voir si on arrive à... On ne va pas pouvoir réparer, malheureusement, parce que c'est un problème assez important. Donc, on espère que ça va tenir jusqu'à la fin, c'est pas sûr. Thank you.